Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, pas sur Minecraft, pas sur Fortnite et ni sur FIFA. Aujourd'hui, nous faisons du Forza Horizon, le 4, parce que j'ai essayé le 5 et j'aime pas trop, parce que voilà, il n'y a pas assez de villes et tout, et dans le 5, dans le 4, pardon, il y a un peu plus de villes. Juste avant tout, on va pas faire l'histoire du jeu ensemble, du moins pas maintenant, parce qu'en fait j'ai déjà commencé le jeu. Mais comment dire, du coup, ouais, j'ai déjà tout petit peu bien avancé dans l'histoire, mais ça fait longtemps que je n'ai plus joué à Forza. Et je vous avais dit que je ferais du Forza sur la chaîne. Je vais être honnête avec vous, c'est juste parce que je n'avais pas d'idée de vidéo à faire et je n'avais pas encore envie de faire du Fortnite ni du FIFA, parce que sinon ce serait beaucoup trop répétitif. Mais bientôt, il y a du GTA qui arrive sur la chaîne. Et oui, le mode online, pardon. Donc, ce sera vraiment le mode online qui sera dédié pour la chaîne YouTube. Je vais pas y jouer hors caméra et tout ça. Donc, ce sera très très prochainement. Donc, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, comme vous êtes en train de voir, je suis en train de vous montrer une voiture de police que j'avais réalisée. Donc c'est simplement la voiture de police belge. Mais bien sûr, je vais vous montrer toutes les voitures qu'on a et on va peut-être essayer de faire une petite mission du jeu. Donc j'ai tout simplement cette voiture-ci qui est tout simplement la police de l'autoroute belge, bien sûr. J'ai aussi des petites voitures que je peux t'acheter. Donc ça, c'est la voiture de la PAB. Je vais vous montrer la voiture. Donc elle a pas de gyrophare parce que sur cette voiture-là, il n'y a pas de gyrophare apparemment. Mais voilà la voiture. Attendez, je vais vous montrer. Et j'ai une autre voiture de police, mais c'est une voiture de la police fédérale. Ah, on arrive au printemps. Donc là, on voit un peu d'ailleurs en bas pour SD 180 ultime, d'accord. J'en ai casse. Radar activé. Hein. Je ne suis pas loin de t'ajouter à la sélection Horizon, mais j'ai encore un petit doute. Une chance pour toi, on organise un gros rassemblement printanier et je cherche un pilote à la hauteur pour y participer. Impressionne-moi et je verrai ce que je peux faire pour toi. Ouais. Bon, on ira voir ça après. Bon, en tout cas, voilà la voiture de la police. Bon, elle n'est pas réaliste à 100% parce qu'il y a 2-3 trucs que je n'ai pas pu avoir. Par exemple, le logo de la PAB, ben, malheureusement, j'ai pas les bons. Mais en tout cas, ça, c'est la voiture de la PAB. Brigade anti. Enfin, la police. Enfin, la PAB, c'est simplement corps de la police. Donc, c'est la police. Donc, PAB, c'est police anti-banditisme. PAB. Donc, voilà. Donc voilà à peu près la voiture. Donc c'est vraiment une voiture qui existe vraiment dans la vraie vie. C'est vraiment cette voiture-là que la PAB a. Donc plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer les autres voitures que j'ai. Et donc voilà. Ah oui les amis d'ailleurs, je sais pas si je vous avais prévenu dans la dernière vidéo, mais je vais essayer de faire des voitures moins longues. Des vidéos moins longues. Parce qu'apparemment mes vidéos sont beaucoup trop longues et c'est un ami qui m'a dit ça. Donc je vais essayer de faire des vidéos moins longues. Donc j'ai d'autres voitures ici. J'ai une Chevrolet, une Chrysler. Et j'ai une Dodge, une Dodge Charger. Donc je vais vite fait vous la montrer. Donc c'est la voiture dans Fast and Furious de Dominic Toretto. Je vais vous montrer. Hein. Donc on ira visiter d'ailleurs des îles. Ah, parce que y a Fortune Island et tout ça, on ira les visiter les îles comme ça. Donc voilà ma voiture, la voiture de Dominic Toretto, la Dodge Charger. C'est une voiture qui est plutôt pas mal, en vrai, on va pas se le cacher. Ah ouais, lui il est parti en accident d'armes. Pas mal sa voiture d'ailleurs. Ben, il est parti. Bon, soit. Donc bien sûr, je suis en ligne. Hein. Parce que j'aime bien jouer en ligne. Enfin, j'aime bien, mais je joue pas tout le temps. Bon, soit. Et ici, nous avons une Fiat. Là, j'ai une Ford. Il y a des voitures souvent, parce que je fais souvent les marchés des transferts. D'ailleurs, le marché des transferts, je me suis cru à FIFA. Je fais souvent les marchés de vente et tout ça. Donc, on va aller voir après pour voir s'il n'y a pas une petite voiture qu'on pourrait se faire aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de marché et tout ça, de vente, j'ai eu celle-ci. Je vais vous montrer. Donc, c'est une voiture de police américaine.
Je vais vous montrer tout ça. T'aimes la voiture, elle est trop belle. Je la prends pas souvent, mais en tout cas c'est une belle voiture. Hein. Franchement. Alors, donc bien sûr, je disais j'ai une autre voiture de la police belge, elle est un peu plus loin. Donc bien sûr j'ai eu d'autres voitures, ça c'est toutes des voitures que j'ai eu gratuites, c'est tout un pack de voitures que j'ai eu gratuites. Mais elles sont pas vraiment super maniables. J'ai ces voitures-ci, celle-ci d'ailleurs que je m'étais acheté encore pareil dans un juste prix, je sais plus comment on appelle ça. Là on a une Lamborghini. D'ailleurs dans la vraie vie, alors dans le jeu elle coûte pas cher du tout. Elle coûte 180 crédits. Sachant que dans la vraie vie elle coûte réellement pas cher. Cette Lamborghini là coûte je crois 80 000 euros. Alors que normalement les autres Lamborghini coûtent bien plus cher. D'ailleurs dans une vidéo de Amixem pour ceux qui connaissent, il avait acheté une voiture comme ça, donc une Lamborghini. Et elle a pas, si je me rappelle bien, elle avait coûté 80 000 euros du coup. Donc c'est la Lamborghini la moins chère du marché. Hein. Alors ici nous avons une Pagani. Je sais pas si je dis bien. Ici nous avons des Porsche. Porsche Cayman GTS 2015. Pareil, une Porsche 918, pardon. Spider 2014. Ici nous avons des Subaru, dont celle-ci je l'ai pris parce que j'avais envie de faire la voiture de taxi. Elle ressort pas du tout. Ici nous avons encore une fois une voiture de la police. Donc c'est une Volkswagen. Et c'est la voiture de la police fédérale je crois, ou la police, ou alors la police commune. Je sais pas. Je vais voir. Je pense pas que c'est... Non, en tout cas c'est pas la voiture de l'agent de quartier, ça c'est sûr. Mais en tout cas c'est le... Une voiture de la police fédérale, je crois, mais elle peut être aussi utilisée sur la pour être sur la police de la route. Mais en tout cas, j'aime bien la voiture. Je pense qu'on va prendre celle-là pour aujourd'hui. Et donc, on va voir parce qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on va faire grand chose. Je pense pas qu'en vrai, qu'on va faire des missions parce que vu que j'essaie de faire des vidéos moins longues, et ben voilà quoi. Donc, la dernière voiture, c'est celle-ci, petite voiture de gendarme à 25 crédits, pardon. Donc je vais vous montrer, putain j'arrive plus à parler. Donc je vais vous montrer, donc c'est une petite voiture de police qu'on voit d'ailleurs dans Taxi. Taxi 5 d'ailleurs. Il me semble que c'est celle-ci qu'on voit. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois. Bon, en tout cas elle est pas mal, franchement. Elle est pas mal, non. Ça reste une voiture de gendarme toute claquée. Après, il n'y a pas le gyrophare sur le toit. C'est juste ça le problème. Mais elle est quand même pas mal, je trouve. Ça va encore. Bon, du coup, on va aller dans le festival pour tout simplement aller voir dans les marchés d'affaires pour voir si on peut pas s'acheter une nouvelle voiture aujourd'hui. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. Je suis très hésitant en vrai en général. Mais en ce moment je cherche un peu à avoir une... Ah ça la Bugatti. La Bugatti c'est une voiture que je veux ça. Alors... Ouais, vous avez vu la voiture déjà là? Une Dodge Durango. Nissan. En soi, la voiture de police, je l'aime bien. Juste le problème, c'est qu'il n'y a pas de gyrophare. Donc, voilà quoi. Voilà, moi, c'est là que j'aime bien aller dans voiture unique. Et là, en général, on trouve des voitures qui dit comme le nom unique. Alors, j'ai 241 000. Donc, ça va. Et moi, qu'on se fasse bien plaisir là. On va voir rappeler ce qu'il y a. 1 million. Écoute, 1 million. Millions, ah ouais, quand même. Celle-là, j'aime bien. J'ai envie de l'acheter et de la mettre en mode Bumblebee, t'as vu? 463 000. Pas mal. Mais il y a des voitures en fait que j'ai peur d'avoir en double.
ODRS. Oh. Oh, c'est une offre en or, ça. Et no joke, c'est une offre en or. Eh, c'est bon, je la prends, wesh. 62 000 seulement pour une Porsche? C'est donné, hein. Alors, achat immédiat, 2 millions. Vas-y, on va... On met 72 000. C'est parti. Donc on saura dans 6 minutes si je gagne ou pas. En attendant, on va voir un peu au niveau des autres. Il me reste plus que 165 000. Je pense en vrai qu'on va se calmer ici, hein. On va pas prendre une autre maintenant, je pense. Je regarde juste un peu ce qu'il y a d'autre. J'avoue que je suis tenté. C'est bon, allez, je la prends. Je m'en bats les couilles. J'avoue que j'utilise un peu trop mes sous, mais bon. Bon, on va attendre du coup un peu. Et normalement, j'ai une alerte vente. Est-ce que j'ai gagné ou pas? Je crois pas. Enchérir, achat immédiat, obtenir crédit. Donc, ah non, c'est pas encore maintenant. Donc, je sais pas, on va prendre une voiture dans mon garage et on va. Attends, alerte vente. Attends, il a changé le prix? Ouais, tu déconnes. Vas-y. Apparemment, je suis en pleine bataille avec un mec là. Ok, 4 minutes. On attend, on attend. Je vous jure que si je peux avoir la voiture. Ah oui, il faut aussi qu'on aille modifier mon personnage, tiens. Je vais y penser. Il y a un mec qui est en train de batailler contre moi là. Et je veux gagner. Et il me dit en fait de surenchérir, mais ça veut pas en fait. Attends, on va voir. Ok, pour l'instant je suis gagnant, hein. Allez, dans 3 minutes qu'on le sait. Et il y a un mec qui est en train de batailler contre moi, les gars. Et je m'en bats les couilles, la voiture elle est à moi. Vente terminée. Donc il y en a une qui est terminée apparemment. Ah, j'ai perdu. Bon ben je reprends mes crédits du coup. Hein. Hey, frère, il abuse lui. Oh frère, tu veux que je mette tout mon pognon ou quoi dans la voiture? C'est quoi le bail? Hey, c'est la première fois que c'est aussi dur là. Frère, je pense. Ah, je pense, en vrai, je pense que j'ai perdu les gars. Pas du tout assez d'argent pour l'avoir. Je laisse tomber. Parce que je vais pas la garder. Honnêtement, les gars, j'ai perdu. Je sais. Après, vous avez vu ce que l'autre a proposé ou quoi? Je suis sûr, c'est un mec qui a déjà la blatte de voiture qui veut juste la voiture. Frère, moi j'ai que des voitures claquées. C'est pour ça que je viens voir. C'est quoi en vrai, je laisse tomber.
Parce que je sais que j'ai pas de frère, regarde, il l'a monté à 300 idées, ouais, je abuse. Ah, j'ai perdu, frère, j'en étais sûr. C'était tellement sûr. Bon, moi, j'obtiens des crédits. Voilà, 241. Allez, vas-y. Je vais même pas retenter une autre enchère ou quoi, je me casse. Je repars bredouille. Bon. Tuerais, frère, je vais pas prendre la voiture de la police municipale, t'es fou toi. Alors, on va prendre quoi comme voiture? Oh, on va prendre ma petite BM rouge. Alors, je traite avec vous, je pense que je sais plus conduire, mais en vrai, je pense, les gars, honnêtement, on va déjà arrêter la vidéo là. On va juste un peu rouler pour que je vous montre un peu la voiture parce que je voulais pas vous montrer la rouge. Et en vrai, je pense pour la prochaine vidéo Forza, si on a encore une, il y a de grandes chances pour qu'on fasse des missions. Parce que bon, aujourd'hui, on n'aura pas fait grand chose. Mais en vrai, voilà. Dites-moi en vrai dans les commentaires si en vrai vous aimez bien Forza. Surtout que moi, en fait, je joue sur le 4. Donc voilà. Parce qu'en vrai, le 5, je sais pas, j'aime pas trop. Pas vous le cacher. C'est pas le meilleur Forza, je trouve. C'est de loin le plus. Je dirais pas le plus merdique. Mais je sais pas, je trouve que le 4 il est. Niveau paysage et tout, il est mieux, je trouve. Parce qu'au Mexique. Voilà quoi. Après, j'ai vu qu'elle allait avoir un Forza 6, si je me trompe pas. Et ça se passera en France, du coup. Donc en vrai, je sais pas. Par contre, je suis nul en drift. Je suis bien meilleur en drift sur GTA. Attendez, on va tenter un dernier. Et si vous avez des conseils pour les drifts, n'hésitez pas à m'en donner parce que. Ah, il était déjà mieux là en vrai. Attendez, on va tenter ici. Eh, vas-y, je le passe pas, frère. Bon, vas-y, on va se garer ici. Bon, du coup, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous demanderai juste un truc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. À vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos qu'il va avoir. Surtout qu'il y en aura d'autres très prochainement. Moi, en tout cas, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter quelle vidéo vous voudriez voir ou si vous aimez Forza. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Guépard. A tchuss, ma biche!